Le village de la mélodie. Donc, je joue simplement un morceau pour célébrer les femmes. Puisqu'aujourd'hui, c'est une journée de femmes. Femmes, belles femmes, femmes de diamant. Danse, réjouis-toi. Azibouni Ali. J'ai eu 2 mètres. Le professeur Gagné Tapé et son élève Guessou Léo Diboné qui a été moi mon maître. Mais j'ai pu côtoyer les deux, donc je suppose que j'ai eu 2 mètres. Vous jouez, ça crée du chagrin, un peu comme quelqu'un qui a perdu quelque chose ou qui recherche quelque chose qu'il n'arrive pas à avoir. Oui, puisque c'est le mystère même du pédou. Le pédou tire les sensations des ondes de l'univers pour toucher la personne qui l'écoute. C'est une manière de capter l'esprit de la personne. Le pédou étant un instrument de calme, si on peut dire, de silence, a en lui cette notion de pouvoir éveiller, de pouvoir attirer l'attention de toute personne. Et pour le faire, il faut que tu sois touché intérieurement, pour que ton attention soit vers l'objet. Une spiritualité, peut-être oui, mais en fait, ça peut dire simplement que c'est un instrument qui a été conçu dans l'esprit de tout le monde. Moi, je peux penser ça comme ça. Il faut avoir quelqu'un de capacité pour pouvoir chanter ça. Jouer. Souvent, on dit à les instruments en Afrique pour compléter, on dit qu'il faut être initié, il faut avoir une puissance. Est-ce que c'est le cas? Oh non, bon, en fait, au départ, les gens, ceux qui m'entouraient, les frères, pensaient à ce genre de trucs. Non, bon, au village, il faut les sorciers, il faut les initier. Mais c'est un instrument comme tout autre. On n'a pas besoin d'être initié, on n'a pas besoin d'être un mystique ou bien un instrument, puisque moi-même, je l'ai appris sans toutefois avoir des pratiques ou bien bon, pour me recueillir à d'autres choses. Vous pouvez nous jouer un rythme de gaieté, de joie, sur un mariage. Si un mariage, bon, ok, je vais essayer de jouer. Naissance, mariage.
Jésus t'appelle. Thank you.